Loi, obéissance à la Instant Constitution solennel et aux et lois plein du de peuple symboles belge. pour Ilias Ahmadou Moumouni Jarmakoy, au-delà pour l'ensemble de la diaspora nigérienne en Belgique. Car cette cérémonie de prestation de serment consacre la prise de fonction de Monsieur Ilias Ahmadou Moumouni Jarmakoy en sa qualité de conseiller communal à la commune d'Auderghem, une des 19 communes de Bruxelles-Capitale. Une première pour un Belge d'origine nigérienne. Quand on fait de la politique, c'est parce qu'on est d'accord par rapport à un idéal, par rapport à un projet qu'il a. Et bon, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut y adhérer à ce projet-là. Et vraiment, j'invite surtout du côté de ma communauté que je connais, vraiment à aller et puis à donner leur pierre à l'édifice. Parce que je pense que vraiment, la Belgique, c'est un pays qui est ouvert. La Belgique, c'est un pays qui est accueillant. Et aujourd'hui, vraiment, je suis fier d'être belge, d'accord? Et vraiment, aujourd'hui, tout ce que je peux apporter pour ce pays-là, je le ferai. Parce que ce pays m'a beaucoup donné. C'est la consécration de plus d'une décennie d'engagement politique, une aventure politique qui a commencé en 2012 lors des élections communales. Ilias Ahmadou a alors bravé tous les préjugés pour s'y présenter sur la liste des démocrates fédéralistes indépendants, défi conduite par le bourgmestre d'Auderghem. Respect du vote démocratique et du vote accordé à tous dans notre pays. Aujourd'hui, Iliassou, d'origine nigérienne. Et donc, ça montre à la fois la participation des communautés à la vie sociale, politique belge, l'implication, puisque au-delà du mandat de conseiller communal, tu as déjà exercé d'autres fonctions dans la gestion des logements sociaux, etc. Donc, c'est le continuum d'un engagement personnel au service de la collectivité. Et donc, il est légitime que tout le monde se reconnaisse dans cette collectivité, en ce compris les personnes d'origine étrangère. Cette ascension constitue une preuve de la capacité des Nigériens de la diaspora à s'intégrer dans leur pays d'accueil. Elle peut en outre constituer le déclic pour le développement de partenariats pour les communes de nos deux pays.